Bonsoir et bienvenue en direct sur le plateau de KTO. Les cathos sont à l'affiche, cinéma, musique, BD ou littérature ou même télévision. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un regain d'intérêt pour le spirituel et le religieux sur la scène culturelle française? Je pense à d'immenses succès populaires comme le film Des hommes et des dieux ou l'album Spiritus Dei du groupe Des prêtres, ce trio musical du diocèse de Gap. Alors quelle lecture faire de ces succès? Quel impact sur la société? Comment l'Église peut-elle se saisir de ce monde culturel et médiatique pour annoncer l'Évangile? Eh bien, on en parle avec nos quatre invités ce soir. Monseigneur Dominique Ray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque de Fréjus-Toulon. Vous êtes également particulièrement attentif à ce qui se passe dans le monde culturel en général. Et puis, vous êtes également l'un des moteurs de la nouvelle évangélisation en France. Sur ce plateau également, Thierry Bizot, bonsoir. Bonsoir. Producteur de télévision, vous êtes l'auteur de ce livre, Catholique anonyme, aux éditions du Seuil. Vous y racontez votre conversion, livre que votre épouse, la réalisatrice Anne Giafferi, vient d'adapter au cinéma dans le film Qui a envie d'être aimé, en salle mercredi prochain. Dans cette émission, on verra d'ailleurs plusieurs extraits de ce film. À vos côtés, une habituée des plateaux télé et du showbiz, Frigide Barjot, bonsoir. Bonsoir, merci. Votre prochain livre apparaîtra dans quelques semaines, en tout cas au printemps, Confession d'une catho branchée. Je ne copie pas mon copain. C'est chez Plomb, mais en tout cas, ça dit pas mal de choses de ce que vous pouvez être, une catho branchée. Oui, merci. Et je ne suis pas branchée. Vous êtes branchée également, on si le verra. Branchée là-haut. Humoriste, chroniqueuse, vous êtes aussi l'initiatrice de nombreuses pétitions comme Touche pas à mon pape ou L'appel à la vérité, on en parlera dans cette émission. Et puis pour compléter ce plateau, Laurent Bidot, bonsoir. Bonsoir. Graphiste et illustrateur, vous êtes l'auteur de plusieurs albums de bandes dessinées, notamment de cette série L'Éternel chez Glénat. Vous êtes un auteur chrétien. Tout à fait. Et on partira d'ailleurs tout à l'heure à Angoulême, le festival de la BD vient de s'y achever. On commence cette émission avec l'un des grands succès de l'année au cinéma, Des hommes et des dieux. 5 mois après sa sortie, le film est encore en salle, il a dépassé les 3,5 millions de téléspectateurs, c'est beaucoup. Le film de Xavier Beauvois qui retrace l'histoire des moines de Tibérine est nommé 10 fois au prochain César. Je vous propose de revoir quelques extraits du film commentés par ceux qui l'ont fait. On regarde. Ils ont tiré encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois. Et... puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors, j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous allons partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. Et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre. Ce qui me paraît extrêmement puissant dans ce film et presque miraculeux, c'est d'avoir réussi à faire un film qui ne fait aucun compromis sur les rites monastiques chrétiens. La théologie chrétienne, Lambert Wilson, à un moment donné, se lance dans un enseignement sur l'incarnation, dont moi-même, qui était le conseiller monastique sur le film, je disais au réalisateur, c'est peut-être trop pour le spectateur. Et c'est lui qui a dit, non, non, les flics parlent de telle manière, les moines de telle manière, c'est très important qu'ils parlent comme ils parlent vraiment. Le réel des moines, c'est tout ce qu'ils ont vécu, c'est tout ce qu'ils ont écrit, c'est des documentaires, c'est des témoignages, des films, donc à un moment donné, sur une histoire qui se passe pendant 4-5 ans. Et si on élargit à Frère Luc, qui est là depuis 50 ans, c'est énorme ce que je dispose comme matériel. Quoi. Xavier Beauvois n'a pas ajouté de musique. Il n'y a pas de musique additionnelle dans le film. La prière et le chant liturgique scandent la vie
la vie de tous les jours des moines. Alors, il s'agissait de montrer que ils avaient, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils poursuivaient leur vie comme si de rien n'était. C'était vraiment leur vie de tous les jours. On va faire une autre. Vous souriez un peu comme... Voilà. Bon, et ben voilà. Merci. D'accord. Bon, allez, moi, je retourne à mes occupations. Je crois que là, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils allaient y passer et qu'ils l'acceptaient. Donc, à la fois, il y a une paix et un sourire, comme ça. Bon, le Seigneur nous a mis dans cette situation-là. Notre choix est de rester dans ce que lui prescrit, c'est-à-dire de ne pas abandonner les gens et de mourir pour eux, oui. Oui, oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une des phrases clés des paroles du Christ. Partir, c'est mourir. Je reste. Michel ? Personne ne m'attend nulle part. Je reste. Amédée ? Je ne sais pas encore. Il faut réfléchir et prier ensemble. Moi, je pense qu'il faut partir. Le Christophe de la réalité, quand on lit son journal, il a pas vraiment ces doutes-là. Il n'a pas eu vraiment ces doutes-là. C'est-à-dire que lui, il a vu arriver cette histoire en disant, bah voilà, si ça arrive, c'est la Pâque pour nous. L'acceptation, le rejet de l'autre, c'est effectivement d'abord une affaire intime. Et ça a à voir avec la peur. Ça a à voir avec la peur et ça a à voir du coup avec la liberté. Le film parle beaucoup de ça. C'est ce que raconte aussi le film énormément, c'est que celui qui n'a pas peur est un homme libre. Alors vous allez nous donner des médicaments? Nous manquons de médicaments. Tous les jours, nous soignons une centaine de nos frères musulmans. Assez! Vous n'avez pas le choix. Si. J'ai le choix. Nous ne pouvons pas vous donner ce que nous n'avons pas. Vous n'avez qu'à demander à vos frères du village. Ils vous diront que nous vivons modestement, avec seulement les produits de la terre. Vous connaissez le Coran? Et tu trouveras certes qu'il y a, parmi ceux qui sont disposés à aimer les croyants, ceux qui disent « Nous sommes des chrétiens ». Et qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines. Voilà pourquoi nous sommes proches de nos voisins. On ne se lasse pas de revoir les extraits de ce très beau film de Xavier Beauvois. Mmh. Toujours prenant, oui. Qu'est-ce qui vous a saisi tous, premier tour de table, Monseigneur Ray, peut-être ? Ce film nous place devant un choix qui est un choix historique, qui est celui des moines, de rester ou de partir. Et à travers ce choix, ce qui m'a beaucoup personnellement touché, c'est que ce choix, c'est aussi le choix de la foi. C'est le choix du christianisme. On peut fuir le monde, on peut essayer de le déserter de bien des manières, dans une existence un peu superficielle. Et le choix chrétien, c'est le choix de vivre au cœur du monde, sans être du monde. Et la solidarité qui lie ces moines à ce peuple, algérien pour lequel il a donné sa vie, le choix des moines d'être solidaires les uns les autres s'inscrit dans une véritable volonté d'être avec jusqu'au bout, de rester malgré le prix d'une vie qu'il faudra verser, d'un sang qu'il faudra répandre. Et je trouve que ce choix-là qu'ont posé les moines dans des situations historiques qui ne sont pas étrangères, hein, que l'histoire de la France et l'histoire de l'Algérie sont très liées. Ce choix est un choix spirituel et c'est un choix aussi qui rejoint aussi les choix que nous avons à faire dans notre société. Oui. Thierry Frégine ? Oui, un des vrais choix, des choix radicaux. Mais moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est l'humanité, justement, de ces... On voit, on voit le déchirement, il y a des moments où ils s'engueulent, etc. Même si sur le reportage, on dit que finalement, ça a été plus simple pour eux. Ils étaient plus dans leur décision chrétienne de rester et d'aller jusqu'à la... donner leur vie, effectivement, donner sa vie. Moi, j'ai été touchée notamment par ce repas où ils se mettent à, finalement, à faire un banquet et en mettant de la musique. Et on voit
la guetter, puis finalement ils se rendent compte de la... C'est des êtres humains qui vont quand même à la mort. Et ça, c'est tellement incroyable aujourd'hui de nous le montrer avec... c'est saisissant, c'est bien fait, c'est un film qui est bien fait. Je comprends qu'il soit nominé comme... 10 fois. Oui, mais comme meilleur film aussi. Comme meilleur film, bien sûr. Si jamais ils le choisissent, alors là, chapeau, parce que ça dit tant aujourd'hui sur notre humanité, qui a un peu tendance, effectivement, à ne plus faire beaucoup de choix. Voilà. Et puis l'autre chose aussi, c'est quand même la, le temps que prend ce film. Et comme il nous sort de notre réalité. Mmh. Oui, j'ai dit la même chose. Tu vois, c'est ça qui est quand même très frappant. Dans une société d'urgence, voilà. Où tout doit aller vite, où il faut être performant, et le film est long et lent. Mmh. Et je crois que ça participe beaucoup au succès du film, alors que pourtant, un film de 2h30, c'est moins de séances, mmh. C'est moins de public, c'est plus compliqué. Il se passe à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. Beaucoup de choses et pas grand-chose, mais voilà. Ça, c'est une chose. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup... Non, la fameuse scène de la scène. Oui, c'est ça. Dire. Bon, celle-là, elle a marqué tout le monde parce qu'elle est, elle a un côté magique. Ouais. Et puis, elle a un côté effectivement joyeux. C'est-à-dire qu'il y a une forme de joie dans cette foi. On n'est pas que dans la résistance et le combat. Et la 16. Et pour moi, il y a une scène qui m'a peut-être la plus émue. C'est le petit vieux qui se cache sous le lit. Voilà. Parce que pour moi, c'est Pierre, c'est Saint-Pierre qui renie le Christ 3 fois. Moi, je me reconnais là-dedans. Mais alors, moi, j'aime Saint-Pierre plus que tout le monde. Parce qu'il a renié 3 fois le Christ, et que j'aurais fait pareil, je le sais. Et qu'il a manqué de foi, donc il tombe dans l'eau, et qu'il faut le... Et ça rend... Parce que c'est quand même des figures un peu héroïques. Hein, ça pour... C'est un film sur la résistance, en fait, aussi. Hein. On pourrait se dire, si on laisse tomber le côté mystique, ou... c'est un film sur des gens courageux qui sont amis et qui restent. Bon. Et je trouve que ça nous les rend... ça rend leur sacrifice beaucoup plus humain de voir qu'il y en a... Le petit vieux, il avait décidé de rester. C'est le plus vieux. Il a passé sa vie à croire en Dieu, etc. Mais au dernier moment, quand on frappe à la porte, il se met sous son lit. Mmh. Bon, ben voilà. Ça, je trouve que c'est très touchant d'avoir montré ça aussi. Laurent Bideau, qu'est-ce qui vous a plu ? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la liberté de ces moines, de ces prêtres. Finalement, ils sont libres. Ils sont libres de partir, ils sont libres de rester. Et leur liberté s'exerce dans le fait de rester. Et ça, j'ai été vraiment étonné, ému. Et moi, le film m'a beaucoup plu, évidemment, mais j'ai eu envie d'en savoir plus, en fait. Et je me suis plongé dans pas mal de livres en sortant du film. Oui, comme beaucoup de spectateurs. Oui, voilà, certainement. Oui. Il y a eu certainement un boom des ventes de livres sur le sujet. Les livres du... BD, alors. Ah, ben, ça serait bien. Et la polémique, alors, vous en avez su plus sur la polémique, sur qui finalement les avait tués, parce qu'on ne donne pas de réponse, ce film aussi. Non, effectivement, ça reste une interrogation. Ce film ne s'attarde pas sur... C'est une autre histoire. Les considérations politique, je crois que... Oui, il y a toujours des gens qui veulent revenir. C'est l'accouchement à une liberté. Est-ce que vous avez été surpris par le succès 3,5 millions de spectateurs, c'est beaucoup. Est-ce que vous pensiez que ça allait marcher, Thierry Bizot, un homme de télé? Je crois que c'est vraiment très difficile de répondre honnêtement à cette question. Oui, je pensais que ça allait marcher. Franchement, s'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est ce qui va marcher ou pas, à part 3 comédies avec des superstars ou des films américains dont on sait qu'ils ont déjà marché ailleurs et qu'a priori, bon, un film français... Non, mais c'est vrai qu'il y a cette lenteur, oui, mais vous disiez tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas, moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui, mais avant, c'est très difficile à dire. Tout le monde était surpris. Hein. Mmh. Il avait quand même eu un accueil à Cannes très, très fort. Donc, quand le film est sorti, il y avait un buzz énorme. C'est comme ça aussi que c'est parti. Ouais. Mmh, tout à fait. Oui, mais il n'y a pas le scandale, par exemple, du film de Mel Gibson, si vous souvenez bien. Qui a très bien marché aussi. Oui, mais parce qu'aussi, il y a une polémique incroyable. Et vous savez très bien aussi que la polémique fait venir les gens et le scandale. Et après, ça s'est installé. Il n'y a pas eu ça. Ça s'est installé après, en revanche, comme un film, effectivement, de référence pour les églises, etc., et de conversion. Parce que ça sert aussi un peu à ça, quand même. Il ne faut pas se le cacher, un peu à évangéliser. C'est quand même ce qui me frappe aussi, c'est l'immersion dans un autre monde. C'est-à-dire que... Ah bah dans le monde du Christ, c'est une immersion. Dans le monde de la vie contemplative, dans le monde des choix profonds qui engagent toute une vie, etc. Donc il y a ce caractère complètement décalé, je dirais, qui à la fois est un monde assez étrange, mais en même temps qui fascine, qui attire, parce qu'on sent des personnages vrais qui jouent leur existence. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose de très important pour notre société. À vouloir rejoindre le monde, on risque parfois de se rendre au monde. Mm-hmm. Et l'homme, la femme, les jeunes, bon, ils sont attirés justement par quelque chose qui parle d'une autre manière. Mm-hmm.
Absolument. Et cet univers monastique fait de prières, fait de partage, de simplicité, c'est très beau de voir les réunions de chapitres où chacun exprimait sa peur, son angoisse, etc. Il y avait une teinte de vérité qui, je crois, qui profondément soulignait que le christianisme, c'est un message d'humanité. On va aller voir les... Je pense qu'il y a une chose qui... Moi, je vois ça dans tous mes amis ou les gens que je connais qui sont des chrétiens déchristianisés. Qui sont souvent, c'est les plus sévères avec l'Église. Hein. C'est pas les juifs ou les musulmans qui sont sévères avec l'Église. Hein. C'est les catholiques. Et ils adorent les moines. Tout le monde aime les moines. Parce que les moines, il y a un côté... Ils nous laissent libres. C'est nous qui devons aller les voir. Oui, c'est ça. Ils sont dans leur monde. Truc, ils embêtent personne. Et je peux peut-être aller passer quelques jours avec eux. Tout le monde fantasme d'aller faire une retraite chez les moines. J'allais dire. Alors que les prêtres qui sont au coin de la rue, ceux-là... Attention. Attention, ils sont là pour nous agripper, etc. Alors, c'est vrai. Voilà. Il y avait eu aussi le succès du Grand Silence, un documentaire des années. Oui. Mais enfin, ils n'ont pas fait 3 millions. Non, mais pour un documentaire, c'était pas mal. Beaucoup. Je vous propose d'aller voir le public maintenant avec un petit reportage, parce que Des Hommes et des Dieux a été plébiscité par les internautes dans le cadre du festival de Télérama. Preuve que son succès dépasse la sphère catho. On est allé à la rencontre du public donc plusieurs mois après la sortie du film. Reportage Valérie Lussang. Il n'est plus en haut de l'affiche et pourtant il fait toujours autant de bruit. 4 mois après sa sortie nationale dans les salles obscures, Des Hommes et des Dieux continue à susciter de la curiosité. Et le film attire un public aux croyances et aux motivations très différentes. On avait envie de voir, d'après tout le tapage qu'il y a eu sur ce film. J'ai entendu parler un petit peu de l'histoire et puis ça a attiré ma curiosité. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film ? La réflexion sur l'engagement et le jeu des acteurs. Mais ce n'est pas Lambert Wilson qui m'a séduite, c'est davantage les seconds rôles. Je ne suis pas croyant. Ça va m'apprendre des choses, je vais voir quelque chose qui va m'enrichir intellectuellement. Pourquoi je viens voir ce film ? Parce que ça m'interpelle et j'ai l'impression que c'est un grand film spirituel qui retrace une grande histoire. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise, je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère ? On se laisse tuer gentiment ? Loin de tout artifice, de tout effet marketing, le film de Xavier Beauvois a attiré plus de 3 millions de Français. Alors, comment expliquer le succès de ces moines trappistes ? Par le jeu des acteurs et de la mise en scène, peut-être, mais pas uniquement. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Je pense qu'il a aussi une qualité qui devient assez rare au cinéma, c'est-à-dire que c'est un film universel qui est capable de plaire à des publics très, très divers. Et sans doute, la clé de cette nature universelle qui est devenue quelque chose d'assez rare aujourd'hui, ça fait écho au contenu catholique du film. C'est-à-dire que même si le catholicisme est en perte de vitesse aujourd'hui en France, il est perçu comme le conservatoire de valeurs que les moines de Tibérine portent à leur point le plus haut, qui sont la fidélité, le sacrifice, le don de soi, la fraternité, et des valeurs qui sont assez souvent mises sous le boisseau dans les sociétés un petit peu agressivement matérialistes dans lesquelles nous vivons, mais que les gens sont très heureux de pouvoir retrouver à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, et à chaque fois que l'art et le cinéma leur en offre l'occasion. Là, aujourd'hui, on l'a encore à l'affiche. On a une séance par jour et le film fonctionne et trouve son public. C'est un public très varié qui va à la fois des jeunes adultes, on va dire, aux personnes plus âgées. Les gens ont envie de voir un film un peu phénomène, en quelque sorte. Et il est vrai que les films à caractère spirituel se font plutôt rares dans le 7e art. C'est très, très beau, quoi. Je pense que c'est plein d'humanité, surtout de chaleur. Et je pense qu'on en a besoin, quoi, dans ce siècle où les gens sont un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, si on peut appeler ça comme ça. Il y a tellement des belles choses, des belles scènes qui nous ont permis peut-être de rêver à un monde meilleur. Il y a indiscutablement en ce moment un besoin de religieux. Et probablement que ça a joué en faveur de ce film. Ceci dit, les critiques sont bonnes, donc je pense que la mise en scène et les interprètes sont bons.
la vie, la mort, la lâcheté, voilà, les droits de l'homme, le machin, enfin voilà, le côté mystique et tout ça, enfin voilà, ça fait partie des réflexions qu'on peut tous avoir, mais je suis pas, sorti transformé non plus. Hein. Ça ne m'a pas remué fondamentalement, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de beau en soi. Des hommes et des dieux, un film encore porté à l'écran à la demande des spectateurs à l'occasion du festival de Télérama. Effet de mode, soif artistique ou encore quête spirituelle, il y a des films comme cela dont le succès reste une surprise. J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. On n'a pas encore parlé, mais ce film pose aussi la question du dialogue avec le monde musulman en général. Est-ce que ce n'est pas aussi une des clés de ce succès, Mgr Rey ? Oui, parce que c'est une question qui est actuelle. On parle aujourd'hui de fondamentalisme, ce qui est des événements qui se passent en Tunisie, en Égypte, puis voilà, une certaine pression du fanatisme musulman qui va jusqu'au terrorisme. Ça pose une cruelle question à nos sociétés sécularisées, qui sont en grand vide et en grande attente en même temps spirituelle. Et donc effectivement, ce film se trouve dans l'actualité de ce que nous vivons. Et à la fois c'est un film historique et en même temps pose la question de l'affirmation d'un message au cœur de la violence. Et la réponse qu'il donne, ce film donne, c'est la réponse pascale, de don de soi. Face à la violence, la seule réponse n'est pas de la violence, mais c'est accepter de donner sa vie pour ses frères. C'est le message du Christ, c'est le message de la croix. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce qui se passe en ce moment en Irak et ce qui se passe en Égypte, et malheureusement pas accepté de la même façon. Dans des pays musulmans où les chrétiens aujourd'hui sont massacrés, eux, c'est effectivement, on voit toute la démarche spirituelle pour s'offrir. D'autres sont saisis comme ça dans une église, ne peuvent plus traverser une rue, mais c'est d'une grande actualité, effectivement. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que ça dit de la société en France, de ses attentes ou de son désir ? Est-ce que ça dit un désir spirituel ? Qu'est-ce que ça dit, Thierry Bizot ? Moi, d'abord, je dis ce qui m'a frappé sur la partie entre l'islam et dans le film, c'est justement cette bonne entente avant, au quotidien. Parce que c'est quand même la majorité des films. Ça se termine par un acte très violent, mais ce qui est extraordinaire, c'est la vie de ces moines sur place et la bonne intelligence de deux cultures, deux religions. Qui vont jusqu'au rite, d'ailleurs. Oui. Puisque les moines ils participent, enfin, prient presque dans une prière. Est-ce que ça, c'est bien... Ce qui est orthodoxe, c'est de prier. Cette scène a été sujette un peu. Est-ce que le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu que professe la religion musulmane? Par contre, on doit avoir un infini respect du fait de prier Dieu. Mm-hmm. Voilà. Mais là où il y a une forme de respect des musulmans, c'est cette fameuse phrase qu'on a vue dans la bande-annonce où un des moines dit « Nous, on est un peu des oiseaux sur une branche, on va s'envoler. » Et l'autre lui répond « Non, les oiseaux, c'est nous. Vous êtes la branche. » Donc, ils ont reconnu, alors que c'est une autre religion, que ces moines étaient une branche pour eux. Ils les soignaient, ils étaient une branche aussi. Oui, mais il n'y avait pas que le soin. On voit la discussion avec la petite jeune fille. Est-ce que tu as été amoureux, etc. Et c'est il y a une présence spirituelle, de rayonnement, de témoignage. Alors, justement, il y a cette présence spirituelle, ce rayonnement, mais a priori, ce n'est pas un film chrétien. En tout cas, Xavier Beauvois ne se définit pas comme chrétien. Ah bah non, il réaffirme chaque fois son athéisme en plus. Hein. Ah bah alors, c'est intéressant, ça, oui, non c'est, oui, dans l'IB, il a fait toute une double page en disant qu'il n'a pas la foi, mais qu'il est un cinéaste qui filme effectivement les gens tels qu'ils sont, et ce qui l'intéressait, c'était les moines. C'est très bien dit d'ailleurs quand il leur dit, un flic, ça parle avec un langage de flic, et voilà. Et je trouve, moi, que les scènes liturgiques sont filmées sans doute mieux avec ce recul que si ça avait été fait par... Non, tu crois pas? Dans le film. Bah, c'est la démarche des journalistes. Hein. C'est ça. Les journalistes, il ne faut surtout pas qu'ils soient spécialisés parce que sinon, ils sont comme mieux. Comme les ministres. Non, mais on a l'impression que le message chrétien passe très, très bien. Très bien. Oui, parce qu'il est mis en valeur par quelqu'un qui, tout en se disant agnostique, est honnête, fait bien son métier avec qualité. Et donc, il fait ressortir la beauté d'un geste, la beauté d'une présence de moines au milieu d'une société musulmane. Et c'est, je crois que c'est ça qui est très beau, c'est cette faculté, au fond, de se retirer devant quelque chose qu'il ne comprend pas,
d'une certaine manière, qu'il dépasse. Mais est-ce que ça veut dire qu'il fait, est-ce qu'on peut dire qu'il fait de l'évangélisation sans le savoir? Est-ce qu'on peut se permettre de se dire comme le bon gentilhomme, quoi. Bah oui. Il fait de l'évangélisation malgré lui. Parce qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc en fait, la bonne idée, c'est d'avoir pris ce thème-là et puis d'être un bon metteur en scène. Il avait de bons conseillers, peut-être. Avec de bons comédiens. Ah oui, tout à fait, ça c'est vrai, c'est très clair. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien. Moi, je le ressens à mon petit niveau. Et il y a pas mal d'indicateurs qui le montrent. Moi, je l'ai remarqué avec mon livre, puis maintenant, je le vois avec le film. On fait des avant-premières. C'est assez frappant de voir le nombre de gens qui ont envie de parler de spiritualité, qui croient ou qui ne croient pas, et quelle que soit leur religion, et qui n'ont pas l'occasion de le faire, qui n'osent pas le faire, n'ont pas l'occasion de le faire, ont des difficultés à le faire. Soit parce qu'on est dans une société très laïque et qui met la laïcité comme presque est devenue une religion, on va dire, même si on est tous pour la laïcité, ce n'est pas le problème, mais sauf si elle empêche de parler d'autre chose. J'allais dire que c'est les positives. Et aussi parce que c'est un sujet intime. Et parler de ses doutes ou de ses croyances, quelles qu'elles soient, qu'on croit, qu'on ne croit pas, qu'on se pose la question, c'est forcément montrer qu'on est en questionnement, qu'on est en faiblesse, d'une certaine façon. Et c'est difficile dans la société d'aujourd'hui de montrer une forme de faiblesse. Donc les gens n'en parlent pas. Moi, j'ai remarqué qu'après que mon bouquin soit sorti dans les dîners, les gens s'autorisaient à parler de ce sujet, et je découvrais que des gens que je connais depuis très longtemps avaient des tas de questionnements. Certains allaient à la messe, je ne le savais pas. Ça libérait la parole. Ça libérait la parole. Et quand on libère la parole, les gens sont soulagés de pouvoir en parler. Mais Thierry, tu as parfaitement raison, c'est qu'on a vécu sous une chape de plomb, mais de la laïcité qui était la laïcité brutale, qui était celle qui fait... Il a fallu mettre les catholiques quand même complètement en dehors du système du pouvoir où ils étaient, c'est vrai, pendant très longtemps. Et c'est quand même, depuis 1905, ce qui nous est arrivé. On est dans une phase de... une sorte de révolution, de résurrection, si je puis me permettre, mon père... Mais là, la parole se libère et je dois. Et dans le milieu culturel aussi, hein. Mais bien sûr. Et alors, toi, c'est avec ton bouquin. Moi, je sais pas comment commencer avec mon bouquin. Moi, vous savez que je suis une, comment dire, une habituée des boîtes de nuit. Mais moi, chemise. Et bien, je peux vous assurer que, mais c'est incroyable comme les gens en boîte de nuit, en plus avec un petit coup dans le nez, vous commencez à les brancher sur Dieu. Mais ça y va. Mais je suis entièrement d'accord. Et c'est bien plus récent. Depuis 2-3 ans. Mais c'est incroyable. Vous le sentez vraiment, d'où mon idée de faire ce dîner débat. Peut-on parler de sexualité et de religion dans une boîte de nuit, ce qu'on a fait récemment là. Et ça a été un débat, mais d'une intensité, entre mes amis plutôt non-croyants et plutôt du monde gay de la nuit, hein, et des jeunes catholiques qui sont venus. Et ce qu'il fallait éviter, c'était la bagarre. Hein. Il n'y en a pas eu. On a enfin pu parler. Enfin, ça a duré 1h30 dans un restaurant du bus Palladium. Avec de la techno à fond. Grosse boîte de nuit. Non, ouais, tu crois en Dieu ? Ouais, ouais, non, et toi ? Non, on était avant ça, il n'y avait pas de musique et tout ça. On était vraiment. Un micro circulait et les gens qui ont fait. Ça, c'est une réalité. Le débat sont les gens dans la salle. Il y avait 50 personnes à dîner. On n'y croyait pas, on a tenté, l'Esprit Saint a soufflé, c'était incroyable. Les gens ont besoin de s'exprimer. Ouais, et, vous les cueillez aujourd'hui vraiment. Sur Mais alors, il y a une condition pour qu'ils s'expriment, qui est fondamentale, et je reviens sur ce que tu disais. Non. C'est justement que ce soit un homme d'église ou que ce soit un laïc qui parle de ça, il faut se mettre dans une situation justement de non-pouvoir, absolument, de faiblesse. S'il y a une impression de donneur de leçons, péremptoire, etc., les gens se ferment. La morale, moi, j'ai vu, pas faire la moi, morale. J'ai eu des dîners où les gens me disaient... Ça ne sert pas grand-chose. Hein. J'ai été invité à des dîners chez des amis en disant, écoute, il y a 3 personnes qui ont adoré ton livre, ils rêveraient de te rencontrer, je fais un dîner, machin. Voilà. Et j'inviterai aussi les machins qui ne sont pas forcément croyants, etc. Alors, les gens viennent, et puis tout à coup, le sujet arrive sur la table, etc. Et ces bons cathos qui sont des gens bien, tout d'un coup, parce qu'ils sont en confiance, pour une fois, on en parle, finissent par dire des choses... Qui, en pensant qu'ils disent bien, et ils disent « Ah, mais toi, tu crois pas, mais Dieu t'aime hein. !» Des choses comme ça. Péremptoire, ils croient dire quelque chose de bien, et je vois les portes se fermer pour longtemps. Et ils pensent, eux, faire un bon message d'évangélisation. C'est succès, ils posent des... Toi, tu penses qu'il faut le dire, qui a envie d'être aimé ? On l'arrête pas. Bah, oui, tu penses qu'il faut poser la question au lieu d'affirmer... Non, moi, je pense qu'il faut dire ce que tu ressens, toi. Tu es aimé. Mais sans essayer de dire ce qui est bon pour moi, et forcément bon pour toi. Il faut s'adapter aussi à la personne. Parce que les gens... Actuellement, ce qui me paraît très important, ce que dit Frigide, c'est qu'on sort d'un certain tabou par rapport à ces questions. Surtout dans la société française, laïciste, etc. Et qu'aujourd'hui, la question du sens, enfin, la question du religieux porte la question du sens, la question de l'au-delà, etc., ça devient une question d'actualité.
Je crois que ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, avec je dirais, les nouveaux produits qui arrivent sur le marché à partir de votre film, des chants dont on va parler tout à l'heure, des chanteurs, là, des prêtres, etc. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, il y avait 10 ans ou 15 ans, n'aurait pas fonctionné. Mon père, pas seulement, si je puis me permettre, quand Nicolas Sarkozy parle de laïcité positive, on rentre vraiment dans un autre débat sur la laïcité. Elle existe pour que chacun puisse s'exprimer, justement. J'ai une dernière question avant de voir le prochain reportage, justement, la bande-annonce du film de votre femme, Thierry Bizot. Est-ce que ce succès des Hommes et des Dieux, ça ne pose pas quand même des questions à l'Église? Parce qu'il y a des prêtres qui prêchent toute leur vie et qui n'ont peut-être pas autant de succès qu'après ce simple film. C'est vrai. C'est vrai qu'il me semble... Si vous voulez que dans l'annonce de la foi, il y a un segment qui est le segment de la catéchèse. On a beaucoup développé des parcours catéchétiques qui sont des exposés organiques de la foi. Bon. Mais avant la catéchèse, il y a un segment qui s'appelle la première annonce. C'est-à-dire, avant de donner des explications un peu construites qui touchent l'intelligence, il faut d'abord toucher le cœur. Il faut rejoindre la sensibilité des gens. Et c'est vrai que dans l'Église catholique, à différence d'un certain nombre d'églises évangéliques qui ont beaucoup travaillé sur ce segment-là, on a vraiment un énorme travail à faire. Et je crois que ces propositions artistiques, diverses et variées, permettent d'atteindre des gens qui sont parfois très loin de l'Église, mais qui sont touchés, qui sont rejoints par le témoignage de ces hommes qui donnent leur vie pour les autres, de ces chants qui touchent pas simplement la sensibilité, mais profondément le cœur spirituel. Et ce sont autant d'instruments d'une première annonce qu'on appelle l'annonce kérigmatique. Le kérigme. Hein, voilà. Et je crois qu'on doit la beaucoup BD, travailler. La BD, ça doit servir à ça aussi, si je puis... Ça, on va en parler tout à l'heure, mais j'imagine. Effectivement, c'est un bon support pour établir un dialogue jusqu'à un certain âge, parce qu'il y a un âge où les jeunes... adolescents, ils referment les livres, ils ne veulent surtout pas qu'on leur offre ce genre de... Parce que ça fait petit ou ça fait... Voilà, puis il y a un côté, comme on le disait tout à l'heure, il y a un côté péremptoire, on impose quelque chose. À ce moment-là, il faut trouver le ton dans les bandes dessinées pour glisser effectivement des évocations, des allusions, enfin bref, adapter le code narratif. Ça, c'est une remise en question permanente. Voilà. Alors, on va continuer pour l'instant, avant de parler de bandes dessinées. On va ouvrir une fenêtre importante tout à l'heure avec Angoulême. On va continuer de parler de cinéma avec donc, le film « Qui a envie d'être aimé ?», film réalisé donc, par votre femme, la réalisatrice Anne Giaferi. Elle a adapté à l'écran l'histoire, Thierry Bizot, de votre conversion. Un film à voir dès la semaine prochaine dans les salles. Moi, je trouve ça super. On regarde la bande-annonce tout de suite. Dis donc, tu vois toujours un psy, Non, c'est pas le moment d'arrêter. Vu la complexité de ma vie intérieure... Moi aussi, je fais un truc. Qui d'entre vous a envie d'être aimé? Alors j'étais là, avec ma petite main levée. Oui, je veux être aimé. C'est pas une femme, j'espère. Je t'ai déjà dit que c'était pas une histoire de femme. C'est quoi alors? J'ai été touché, tu comprends? Non. Ça demande pas grand-chose, papa. Juste un peu de gentillesse. Tu peux pas, ça? Être un tout petit peu gentil avec moi? Comment ça va, toi, avec les mecs? On a trouvé un qui vient de baiser. Ok, ça va. Je crois que j'ai ma dose. Vous avez peur de répondre à cette question toute simple? Qui a envie d'être aimé? Qu'est-ce que tu lis? Père Goriot. Ah, sympa. C'est sympa, ça, Père Goriot. Quand t'étais petite, t'étais fan de Fred Astaire. Après, ça a été Mick Jagger. Maintenant, c'est Jésus. Catholique, quand même pas très sexy. J'ai pas choisi, Hortense. On m'engueule pas. Je t'engueule pas. Alors, j'ai eu la chance de voir le film. Moi aussi. Frigide, on l'a peut-être même vu à côté. Au Bernardin. On était assis à côté l'un d'autre sur un bout de bois, mais moi, j'ai tenu tout pour te dire que ça vaut le coup. C'est tu que as fait pénitence, donc. J'étais sur le bout de bois de la très belle amphi des Bernardins. En salle la semaine prochaine. Tout le monde pourra le voir la semaine prochaine. Bon, déjà, la bande-annonce est formidable, moi, je trouve. Ça donne envie. Ouais. Ouais, elle est très bien. Laurent Bideau, ça donne envie? Ah, ça donne envie, oui. Il y a des répliques choc. Et alors, un excellent comédien, Eric Caravaca, qui joue le rôle d'Antoine, donc le rôle titre. C'est vrai qu'il vous ressemble un peu. Je trouve pas, mais... C'est le même genre, un peu. Alors, l'histoire d'Antoine, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi. Il a une très belle femme, des beaux enfants, de l'argent. Un bel appartement. Un beau métier. Il est avocat. Et pourtant, il se passe quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Thierry Bizot? Ben, je crois que c'est exactement ça. C'est un homme qui n'a rien d'extraordinaire, qui n'a pas non plus de drame épouvantable dans sa vie.
et pourtant qui va faire une rencontre avec Dieu complètement par hasard, en ne la cherchant pas du tout. D'ailleurs, c'est même le seul dans le petit groupe de la catéchèse qui n'avait pas tellement envie d'être là et sur qui ça tombe, alors qu'il n'était pas donc, ni en recherche ni très méritant. Et en fait, voilà, autour de cette trame-là, de ce parcours-là, se tisse, on comprend beaucoup de choses sur ses rapports avec sa famille, ses rapports avec sa femme. Il cache le fait qu'il va à cette catéchèse à sa femme, d'où le fait qu'elle pense qu'il a peut-être une maîtresse. Lui, il a un problème avec son fils qu'il n'arrive pas bien à aimer. Il a un problème avec son père, dont il ne se sent pas aimé, qui est joué par Jean-Luc Bidault. Il a une sœur qui est une confidente, qui est jouée par l'excellente Valérie Bonneton. Et puis, il a un frère, joué par Benjamin Biolay, avec qui il a des relations très compliquées. Et donc, il a pas mal de fractures, finalement, personnelles. Sa sœur, et là, tout le monde a envie d'être aimé dans ce film, comme dans la vie, hein, lui par son père, son fils par lui, sa femme. La sœur cherche un homme, l'amour de sa vie, et du coup, elle fait une psychothérapie. Lui, il fait une rencontre avec Dieu, et chacun essaie de trouver sa solution. Voilà, et en gros, le parcours de ce personnage, c'est qu'il fait cette rencontre avec un autre père que celui qu'il a dans la vie, et il arrive ainsi à renoncer à l'amour du père qu'il a dans la vie, qu'il n'arrivera jamais à voir comme il aimerait l'avoir. Et du jour où il renonce à l'amour de son père, parce qu'il en a trouvé un autre, il arrive à être lui-même un père pour son fils. À quel point c'est votre histoire ? J'avais la même question. Là où c'est mon histoire, c'est tout à fait comme ça que s'est passé pour moi le parcours de la catéchèse et progressivement sans que je m'en rende compte. Donc par hasard, on vous a invité. Voilà, par hasard, on m'a invité. J'ai été pour faire plaisir au professeur de mon fils, qui n'était d'ailleurs pas là. Et quand je suis arrivé dans cette catéchèse, qui était un endroit un peu minable, où il y avait plus de catéchistes que d'élèves, j'ai d'ailleurs failli faire demi-tour immédiatement et faire semblant d'avoir oublié quelque chose dans ma voiture et fuir à jamais. Bon, puis je suis resté. C'est ça qui est fort, c'est que tu sois resté. Je suis resté, ça a commencé de façon terrible avec un espèce de témoignage. Genre, Jésus m'a sauvé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est catho, c'est quand même dramatique. Et vous êtes resté. Je me suis dit, ils ont fait un effort quand même considérable pour essayer de monter cette petite réunion, même si elle est un peu minable. Et ils commencent comme ça. Bon. Et je suis resté de fil en aiguille, je suis resté. Et ce qui s'est passé d'important pour moi aussi, qu'on voit dans le film, c'est que. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de juger. La première chose que j'ai faite en m'asseyant dans cette salle, c'est de regarder les gens qui étaient là et de les juger immédiatement et de façon définitive comme des pauvres types. Mmh. Voilà, comme des minables, comme des bras cassés. Vous faisiez partie de ces pauvres types ou... Non, pas du tout, justement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous étiez là avec eux. J'étais avec eux et je me suis dit, ce sont des pauvres types. Pour venir à un truc aussi minable, il faut vraiment avoir rien dans la vie. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont de m'avoir, moi. Parce que moi, je suis un type formidable et je fais un effort énorme pour venir. Voilà. Et en plus, je suis humble et formidable puisque je ne le montre pas. C'est vous dire l'état d'humilité dans lequel j'étais. Je vous propose justement de voir un extrait du film. Justement, lorsqu'Antoine, lorsque vous participez, j'ai envie de dire, à l'une de ses premières séances de caté, on regarde cet extrait. Qui d'entre vous a envie d'être aimé? Vous avez peur de répondre à cette question toute simple? Qui a envie d'être aimé? Pas facile de lever la main, Thierry Bizot. Non, c'est pas facile, non. Mais voilà, et donc, je les ai jugés comme ça, et il m'a fallu 2 mois. C'est quand même, c'est là où vous dire, la vanité qui est terrible, hein, tout vanité des vanités. Il m'a fallu 2 mois de séance comme ça pour me rendre compte, pour découvrir un truc tout simple, c'est que ces bras cassés, j'en étais un aussi, et que je m'en étais pas rendu compte, que moi aussi, j'avais pas mieux qu'eux, comme petite soirée de la semaine, et que personne m'avait forcé à venir, et que j'avais été suffisamment crétin pour penser que, je ne sais pas pour quelle raison, j'étais mieux qu'eux. Alors que sans doute, ils étaient mieux que moi, parce qu'ils n'avaient sans doute pas fait le chemin inverse de me juger comme moi, je les avais jugés.
Et ça, pour moi, ça a été un enseignement, j'allais dire fondamental, parce que ces gens-là, je ne les connaissais pas quand j'ai compris ça. Ce n'est pas comme si vous passez des vacances avec des gens que vous trouvez un peu cons au départ, puis finalement, à force de parler avec eux, vous découvrez qu'ils sont pas mal. Moi, je les avais jugés sans les connaître, et j'ai compris ça sans les connaître non plus. Oui, parce que déjà, le lieu où tu allais, pour toi, c'était quand même un truc pas top. C'était très typé. C'était, ouais, ah ouais. C'était vrai. Plutôt qu'une soirée votre branchée d'une télé. C'est vrai que ça fait, c'est pas très glamour non, en image. Non, mais en même temps, ces mains qui se lèvent, c'est la foi, c'est une prise de position personnelle. Il y a la foi d'héritage, la foi de tradition. Puis à un moment, dans notre vie, on fait une rencontre qui vient, on ne sait comment, et qui nous invite un jour à lever le doigt et dire, moi je crois. En tout cas, même si je ne crois pas encore, je veux croire. Et ça, ce geste-là, il a du prix. Mais c'est beaucoup d'humilité, c'est un déchirement, mais c'est le point de départ d'une aventure extraordinaire. Ouais. Mais ce que je trouve bien, si je puis me permettre, moi qui ai eu la chance de voir avant tout le monde, le film... Parce qu'elle est branchée, c'est pour ça. Cato branché. Donc les deux m'ont fait... Voilà. C'est vraiment un film sur l'amour. Et ce qui est très frappant, parce que moi, j'ai retrouvé, je ne veux pas tout ramener à moi, mais comme j'ai vécu une conversion aussi, c'est un problème d'amour aussi qui m'est arrivé. Et c'est un problème où j'ai compris qu'effectivement, j'allais arrêter de souffrir de ce manque d'amour des personnes autour de moi, de ma famille. Et là, j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'amour dans leur famille. Les rapports, moi, c'est le rapport père-fils, c'est clair. J'ai dit, il a tapé pile. Et ça va parler à tellement de gens, je pense. On ne va pas faire une psychothérapie, parce qu'en plus, on comprend bien qu'on est loin de la psychothérapie. On voit bien que Valérie, ta sœur... À propos de psychothérapie, oui. Je vous coupe, oui. Mais on va voir un autre extrait. On va le faire, ouais. Ben voilà. C'est bien, il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans. Et la sœur d'Antoine se baladent ensemble sur de bien belles falaises et ils discutent de choses et d'autres, des choses importantes et puis un peu plus légères. On regarde. Dans tous les cas, c'est ma psy qui va être contente. Hein. Je vais en avoir des choses à lui raconter mardi. Ouais, le coup de la saisie... Je sens qu'elle va adorer. Tu vois un psy ? Ouais, depuis 6 mois. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Ouais, on n'est pas obligé de tout se dire. Hein. Bah, il n'empêche que quand on découvre des choses super intéressantes sur soi, sur sa vie, sur son comportement, j'ai compris un nombre de trucs. Du genre ? Du genre que j'ai eu mes règles le jour de l'enterrement de maman. Je sais pas si tu vois. Non, je vois pas et puis je suis pas sûre d'avoir envie de savoir. Non, mais ça veut dire que je suis devenue une adulte. Enfin, je veux dire une femme le jour où maman est morte, Antoine. J'avais que 10 ans. Quand j'y pense, ça me fait une peine. Ah bon, bah arrête d'y penser. Faut que je fasse pipi, tu surveilles ? Bah grouille. Kleenex ? Non. Bon, pas tant pis. Combien ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires, un face-à-face avec le Christ. Est-ce que ce que vit... Pour le spectateur, on se projette dans ce que vit Antoine complètement ? Ah bah, moi, j'ai dit oui. Oui, parce que j'ai vécu... Alors, sauf quand on n'a pas eu la chance d'avoir le beau Christ. Où est cette... On veut tous aller dans cette chapelle. Cette chapelle est à la pointe du Raz, mais le Christ n'y est pas. Ah, dommage. Il est magnifique, ce Christ assis comme ça. C'est un Christolien du XVIe siècle. Est-ce que pour vous, les Français en général, ou les gens en général, sont appelés comme vous à faire cette rencontre ? Moi, je crois... Une fois, j'étais témoigné auprès d'élèves de première. Il y a un élève qui m'a dit, mais expliquez-nous, c'est quoi d'avoir la foi ? Je dis, bon, déjà, je vous dis tout de suite, je vais vous parler pour moi, parce que moi, pour moi, c'est comme d'être amoureux. Voilà. C'est-à-dire que quand on tombe amoureux, hein, on tombe amoureux, ça vous tombe dessus, vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy pour le comprendre, vous savez que vous êtes amoureux, vous ne savez pas pourquoi ça vous est tombé dessus. Ça peut vous tomber dessus que vous soyez jeune, pauvre, riche, vieux, moche, intelligent, bête, peu importe, de 5 ans à 115 ans, vous pouvez tomber amoureux à n'importe quel moment.
Et quand vous êtes amoureux, même si vous n'avez aucune chance avec la personne dont vous êtes amoureux, même si vous ne lui direz jamais, ça vous rend heureux. Vous aimeriez bien d'ailleurs pouvoir convaincre les gens ou les toucher qu'ils soient eux aussi amoureux. Malheureusement, ce n'est pas possible. Voilà. Et ça vous rend heureux. Vous avez un devoir de maths qui vous emmerde. Il vous emmerde tout autant, mais vous êtes amoureux. Oui, Seigneur, quel impact ça peut avoir sur les gens en termes de foi, de rencontre du Christ, de cette recherche-là? Le film. Ce film. Fondamentalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est découvrir que la foi commence par une rencontre. Une rencontre à partir duquel il y a quelque chose qui est bouleversé en nous, dont on ne peut pas vraiment se remettre, et qui vous poursuit. Alors la vie reste la même avec ses problèmes, sa matérialité, ses exigences, mais le regard est complètement transformé. Et on est en quête d'une vérité, d'une présence, d'une vie qui a frémi en nous et dont on aura de cesse de vouloir l'atteindre et la chercher toujours davantage. C'est le point de départ, c'est l'allumette qui craque, c'est quelque chose qui... C'est pour ça que c'est un film, semble-t-il, je ne l'ai pas encore vu, mais enfin je le découvre à travers la bande-annonce et puis ce qu'on en a dit, c'est le point de départ, nous sommes dans la première annonce. Et pourtant, votre femme n'est pas chrétienne. Elle est chrétienne, elle est catholique, mais elle n'est pas tellement croyante. Elle n'est pas croyante, elle n'est pas pratiquante. Elle est même un peu méfiante vis-à-vis de la religion catholique. Voilà. Moi, je vous posais la même question que pour Des Hommes et des Dieux, est-ce que pour autant c'est un film chrétien, ou que vous considérez chrétien? Alors, moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante à dire, c'est que c'est un film qui n'est pas prosélyte. Et je crois que c'est fondamental. C'est un film où chacun, moi j'ai plein de réactions, on l'a montré à plein de gens, des croyants, des non-croyants, etc. Et c'est pareil chez les croyants comme chez les non-croyants, à la fin, les gens font leur interprétation de est-ce qu'il a la foi, est-ce qu'il n'a pas la foi. Il n'y a pas, ce n'est pas une leçon une démonstration, c'est une histoire et chacun y met ce qu'il veut. Ça, c'est très important parce que je pense que voilà, c'est une histoire d'amour, comme tu disais, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille, de transmission, c'est une comédie familiale et il y a ce fil directeur qui arrive à un des héros du film, le héros principal. Il va puiser à la source quand même. Mais en revanche, enfin, c'est moi qui peux le dire. Non, mais en revanche, je pense que ce qui est bien pour ceux qui y voient, il y a ceux qui y voient uniquement une histoire qui a envie d'être aimé. C'est une question universelle, c'est pas une question que pour les gens qui sont intéressés par la foi. Donc il y a des gens qui voient le film. D'ailleurs, vous avez changé le nom, par rapport à votre livre, c'est pas catholique anonyme. Donc c'est une histoire humaine avant tout, une histoire d'amour. Et pour ceux qui y voient quelque chose qui a lieu à la foi, c'est-à-dire qui ont l'impression d'avoir senti quelque chose et comprendre quelque chose sur la foi. Moi, ce que je trouve de réussi, c'est que ça montre... Moi, j'ai remarqué souvent que les gens pensent que la foi, ça sert à mourir. Voilà, c'est une assurance vie pour l'au-delà. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, d'ailleurs, on s'en occupera quand on sera vieux, on n'est pas pressé. Je voudrais toujours... On va attendre d'être à la retraite, ça va arriver. J'aurai le temps. Moi-même, je pensais ça. À mon âge, je me disais, pour la foi, c'est pour... Il faut lire des bouquins, il faut avoir du temps, et puis c'est pour mourir, quoi. Alors que ça montre là que la foi, ça aide à vivre, au contraire, tout de suite. Ce père, il a un problème avec son fils qui a 14 ans. Il a 14 ans maintenant. C'est maintenant qu'il a besoin de son père. Ce n'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite. Et c'est tout de suite que grâce à son parcours, ce père va devenir un meilleur père. Maintenant, pas dans 10 ans, dans 20 ans, ou quand il aura... Un mot sur les acteurs. Alors, je pense à Éric Caravaca, parce que pour moi, Brigitte Bardot, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un acteur branché. Ils sont tous branchés. Benjamin Biolay, ce qui est vachement malin. Voilà. Ouais. Pour Éric Caravaca, par exemple, jouer le rôle d'un... Biolay, il va faire venir quelqu'un des jeunes. Qui devient catho, qui vit une conversion, une rencontre avec le Christ, il a accepté tout de suite? Tout de suite. Ça, c'est un signe aussi par rapport au sujet de l'émission. Alors, d'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement profond. Puis c'est quelqu'un qui se dit athée aujourd'hui, mais qui a eu une grande période mystique dans la religion catholique. D'ailleurs, il est toujours très attaché à des saints, par exemple, à Sainte-Claire et à Saint-François d'Assise. Il veut d'ailleurs faire un film sur eux un jour. Son frère a été séminariste. Mm-hmm. Il a fait des retraites. Il y a eu une époque importante. Ouais. Et aujourd'hui, il se dit athée. Mais il a accepté tout de suite parce qu'il a vu... C'est pas un film religieux. C'est un film... qui porte un message universel. Bon, et donc, il l'a accepté. Ils ont tous accepté. Benjamin Biolay, ça a pris 5 minutes. Non, c'est très bien, Benjamin Biolay. C'est une très bonne idée. Mais je vous assure, il est tellement branché. Alors, lui, c'est le roi de la branchitude. Ouh là là, c'est pour ça, mais il y a quelques années, peut-être des personnes... Moi, je suis assez d'accord avec vous, toi. Voilà. C'est que je pense qu'effectivement, on est dans une bonne période. Une bonne période, là. Une bonne vague, non? Et honnêtement... On est dans la vibe. Thierry, honnêtement, on sent bien que ça va et qu'on a encore un petit temps, là, où ça va encore bien porter. Je pense que...
là jusqu'au mois de septembre. Toi, tu sors pile comme il faut. C'est la chiromancienne. Bonne vague, non, pas du tout, c'est le plomb qui fait comprendre. Bonne vague pour l'Église, pour les cathos, pour tout ça, quoi. Oui, mais enfin, à la fois, à travers ce film, dans le monde culturel. On a des questions éternelles qu'on se pose et qu'on continue de se poser à travers des films comme ça, qui sont très actuels. Mais le christianisme, il est aussi devant nous. Je pense beaucoup à ça. L'avenir, c'est Dieu. Je pense beaucoup à ce que disait Paul VI. Il disait, le chrétien doit habiter ce monde en venant à lui à partir de son avenir. Oui. Le christianisme, c'est l'avenir de l'humanité. Alors, moi, je dirais, même s'il y a moins de gens dans les églises, etc., aujourd'hui, on est dans une situation où être chrétien, c'est un choix vraiment personnel. Et l'avenir, il est devant nous. Et notre cœur est plein d'espérance. Moi, je dirais autre chose, que beaucoup de gens viennent nous voir en disant « Vous êtes courageux de témoigner et tout, parce que l'Église, quand même, on est très inquiet pour l'Église. » Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour l'Église. Non. Mais pas du tout. Oui, les Églises se vident, et peut-être qu'elles vont continuer à se vider. Ça veut dire qu'il faut changer des choses, et ça changera. Elle en a vu d'autres, l'Église. Mmh. Mais l'Église, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a le message du Christ. Ça, c'est éternel, c'est révolutionnaire, et c'est maintenant. Donc moi, j'ai aucune inquiétude sur l'avenir de l'Église. Oui, alors l'Église qu'on a connue des années 60, elle est sans doute morte, celle-là. Bah, c'est pas grave. Mais on s'en fout. On n'est plus en 1960, on est en 2011. Qui a envie on va, Laurent ne dit rien. Oui, mais on va en parler tout de suite. On va parler de BD dans un instant. Donc, on rappelle la sortie en salle de Qui a envie d'être aimé ? 9 février, mercredi. 9 février, donc mercredi prochain. Laurent Bidot, on va revenir sur la bande dessinée, mais d'abord je vous propose de voir un reportage à Angoulême. Angoulême où ce week-end s'est déroulé le Festival international de bande dessinée. C'est l'un des plus grands au monde, Laurent ? Ah bah oui. C'est le plus grand, on peut dire, ouais. Ah oui. Avec une tendance qui s'affirme année après année, la religion, le spirituel et l'ésotérisme ont de plus en plus de succès. Les maisons d'édition mettent un peu tout ça dans le même sac, mais en tout cas la BD chrétienne a elle aussi sa place, les auteurs chrétiens également. On voit ça en images, reportage à Angoulême, Sybille Delettre. La Bible, le Troisième Testament ou encore Inri, les BD aux titres évocateurs sont de plus en plus présentes dans les allées du Festival d'Angoulême. Exit, le cercle fermé des catholiques, ces BD s'adressent au grand public. C'est étonnant que ce pape de la BD underground américaine qui s'appelle Robert Crumb ait fait une Bible en bande dessinée. Vous voyez, c'est la Genèse en bande dessinée. C'est très étonnant, tout le monde a été surpris. Bon. Je ne sais pas ce que ça révèle, mais ça révèle en tout cas une chose, c'est que vous voyez, ces questions, ce questionnement, il reste, même pour les gens les plus antiques, les ricos, il peut y avoir un questionnement. Il est loin le temps de Harakiri ou de sœur Marie-Thérèse des Batignolles, où la foi n'était source que de moqueries et de dénigrement. Aujourd'hui, le 9e art ne tourne plus le dos aux religieux, bien au contraire. Cette grande maison d'édition, par exemple, a fait le pari de lancer, il y a 5 ans maintenant, une série d'adaptations de la Bible. On a voulu faire quelque chose qui soit pas didactique, qui soit pas laid, qui soit pas provocateur, mais qui soit juste. Et comme on s'intéresse tous les deux aux textes religieux et à la religion, donc c'était de refaire une adaptation en bande dessinée de la Bible qui soit plus contemporaine au niveau style et également qui soit la plus fidèle possible au texte. Donc c'était une manière de faire découvrir aux gens qui s'intéressent à la Bible ou qui ne s'y intéressent pas d'ailleurs, une manière de leur faire découvrir la Bible et les écrits. Un dessin réaliste, une adaptation qui colle au texte, voilà la clé du succès. Les lecteurs ont su répondre présent. La série s'est déjà écoulée à plus de 54 000 exemplaires. Ça ne me choque pas du tout. Enfin, je trouve que c'est normal, c'est une histoire comme une autre. Moi, je pense que c'est une belle ouverture d'esprit de la part des grands éditeurs de se mettre un peu au spirituel. Ça permet de faire connaître la religion à des personnes qui ne sont pas forcément intéressées. Et donc, ouais, moi, je trouve ça très bien, en tout cas. Ouais. Autre fait marquant, en se promenant dans les allées, des figures religieuses en couverture de certaines BD. Exemple avec cette série réaliste, où une religieuse ou encore un séminariste sont au centre du scénario. Mais ce qui cartonne vraiment au Festival d'Angoulême, c'est la BD ésotérique. Mélange d'enquête, de quête spirituelle et parfois de réécriture de l'histoire des religions. La religion, l'histoire de la religion, qu'on soit chrétien ou pas, c'est quelque chose qui passionne. Ce qu'il y a de fabuleux dans toutes ces séries, là, vous voyez Inri, Les Gardiens du Sang, Le Triangle Secret, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que ces auteurs partent du principe que la religion existe et décalent très légèrement en proposant une seconde, une vérité parallèle, en fait. Et ce qui intéresse les gens, c'est justement de se glisser dans cet interstice en se disant, et si la vérité, elle était
à côté de ce qu'on nous raconte. Alors évidemment, on est dans des œuvres de fiction. Il y a un côté enquête, des rebondissements, vraiment des coups de théâtre, ça c'est palpitant. Quoi. On ferme le tome, on a envie de passer au suivant. Le Troisième Testament, Inri ou Le Linceul, autant de séries qui se vendent en millions d'exemplaires. Chez Glénat, ces BD sont en tête de gondole, des succès commerciaux reflets d'une vraie tendance apparue il y a une dizaine d'années, le retour en grâce du religieux. Dès qu'on change de millénaire, les gens, voire de siècle aussi, les gens ont peur qu'il se passe quelque chose. Donc ça suscite un regain de spiritualité. Elle peut être directement axée sur la chrétienté si on est chrétien, sur la religion si on est religieux, etc. Mais elle peut être encore plus vague, elle peut s'adresser justement à des matières plus littéraires, plus graphiques, comme la bande dessinée. Recherche de sens, quête de spiritualité, redécouverte de la foi. Aujourd'hui, les bédéphiles semblent de plus en plus réceptifs à ces ouvrages qui font réfléchir. Mais même si la BD chrétienne ne rebute plus, il reste du chemin à parcourir avant qu'elle n'égale les scores de la BD ésotérique. Et comme on parle de BD, Frigide Barjot a enlevé son pull pour un t-shirt BD un peu. Oui, enfin c'est la couverture d'un livre sur l'histoire universelle des religions avec notre ami Cornillon. Tu peut-être le connais-tu, Luc Cornillon, un spécialiste de la ligne claire. Bon, enfin bref, et qui illustre fréquemment notre ami Thierry à Sampé. Nous, on a Luc Cornillon. Laurent Bideau, on revient sur la BD. Ce reportage, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? On a constaté sur place un mélange d'ésotérisme, on parle d'église, de choses mystiques, de chrétiens, ouais. Bon voilà, il y a un peu de tout. Ouais. Vous-même, vous avez sorti notamment une série sur l'éternel où il y a un peu cet ésotérisme. Et puis Le Linceul aussi. Le Linceul également. Aussi, c'est vrai que j'ai écrit des scénarios qui adoptaient ce style ésotérique, tout en progressivement, au fur et à mesure des tomes, affirmant un petit peu plus les choses. Mais vous restez fidèle au message chrétien. Oui, oui, oui. Mais du coup, c'est un peu compliqué, parce que du coup, je me situe entre BD chrétienne, donc rejetée par les chrétiens. Enfin, en tout cas, pourquoi on se méfie. Mais ils se méfient. Il se méfie parce que ça, c'est de la BD, ça ne va pas avec Jésus. Non, puis il y a des airs ésotériques, il y a des questions, il y a des remises en question de... du coup, j'ai l'impression que... C'est pas assez explicite. Voilà, c'est un peu flou. Vaut mieux être chez un éditeur de BD catholique, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Oui, vous êtes chez un éditeur pour le public, grand public, en plus, pour le coup, là, oui, chez Glénat. Oui, chez Glénat. C'est une belle maison. Oui, c'est une belle maison. En même temps, tu as un lectorat qui est très ouvert. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est bien de ne pas être forcément cantonné dans de l'édition purement... Est-ce que pour vous, il y a un retour de Dieu ou du religieux, en tout cas dans la BD ? Ah oui, il y a un foisonnement colossal. Quasiment toutes les bandes dessinées qui paraissent aujourd'hui, il y a d'une manière ou d'une autre une interrogation face au mystère, face à la religion, face à la foi, et peut-être même face au vide. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu triste même parfois. Ah oui. Bah, je trouve qu'il y a des bandes dessinées qui sont vraiment tristes, même déprimantes. Oui. C'est-à-dire certaines. Le Triangle Secret, par exemple, c'est un énorme succès. Offre la vision d'un jumeau du Christ qui aurait fui à ce moment-là la crucifixion et qui aurait eu une descendance. C'est un peu compliqué. Je trouve que ça brouille un peu le message d'espoir, le message de vie. Ça impose une nouvelle vérité qui... Il n'est pas le seul. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres succès, plusieurs millions d'albums. Hein, qui ont bien fonctionné comme ça aussi. Ouais. Tu parles de Da Vinci Code ? Bah, oui. C'est de remettre en question... notre, enfin voilà, de l'histoire telle qu'elle tu est. Tu ne penses pas que du coup le grand c'est public toujours, est c'est un toujours peu la même histoire. Il faut que Jésus une vague sur laquelle on surfe. Voilà. Il faut pas que Jésus ça soit le Fils de Dieu, mais c'est un gars qui a vécu comme tout le monde, voilà. Qui a eu des enfants, qui a couché avec Marie Madeleine et qui a des. Voilà. Il faut surtout qu'il descende de la croix. Au cœur de la recherche très très ésotérique qui. Bon, qu'on voit un peu partout, il y a quand même, on bute à un moment ou à un autre sur la personne de Jésus. Alors même, on le déforme, on pervertit le message, etc. On altère l'évangile. Mais en même temps, ça réapparaît sans cesse comme une question. Tout à fait, oui. Et on pourrait très bien penser que dans ce monde
ésotérique, on exclut complètement le Christ. Mais voilà qui réapparaît. Voilà que la question du Christ, c'est-à-dire de Dieu qui prend un visage humain, rejoint la problématique. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Le Christ est bafoué parfois dans ces BD. Ah bah oui, bien sûr, oui. Il est mis à toutes les sauces. Et ça, l'Église dit rien sur des trucs comme ça. À ce moment-là, c'est prêter le flanc à faire un succès, finalement. Dans une logique qui, à mon avis, qui n'est pas... Bon, on peut dénoncer... Vous laissez blasphémer, donc Vous lisez des BD, d'ailleurs? Je lis des BD, oui, quelquefois, parce qu'on a un très grand festival chez nous, qui est à Solliès-Ville, à côté de Toulon. Mmh. Et donc, on fait aussi tout un travail au niveau de ceux qui créent des BD. Et on a des stands chrétiens, etc. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui bafoue le message du Christ, bon, on peut redire les vérités, mais c'est surtout positivement de faire réapparaître un vrai message porté par une expression artistique. Ça, il faut soutenir les créateurs. Quel est l'impact de ces BD, qu'elles soient chrétiennes ou non, mais en tout cas, où il y a ce message chrétien avec des valeurs très positives sur les jeunes générations, par exemple, qui sont assez friandes de BD? Ils sont friands de scénarios, de rebondissements, d'aventures qui fassent rêver ou qui surprennent. Mais moi, je me trouve en dédicace avec mes albums et je suis face de temps en temps à des questions assez surprenantes et un peu abyssales d'inculture totale sur la religion. Et même simplement culturelle. Tout court. Pour certains, c'est sûr, le Christ, c'est un être humain. Pour certains, Marie, c'était une femme comme une autre. Et tout ça, c'est une vaste invention. Et moi, je suis face à des gens qui sont assez étonnants. De ce cas-là, vous êtes appelé à faire une petite leçon. Tu les recristianises. Oui, voilà. Déjà, ils ont mon album entre les mains. Donc, ils partent déjà avec... Oui. Évangélise. Oui. C'est une occasion de... Ah, tout à fait, oui. Parfois, je ne suis pas très armé, moi, pour évangéliser, en tout cas verbalement. Oui, parce que ma plume. Oui. Et le contexte n'est pas toujours porteur. Enfin, j'imagine, je ne connais pas Angoulême et le monde de la BD, mais je ne sais pas comment, par exemple, avec Angoulême, père, le festival chrétien. Alors, il y a un festival qui est chrétien en marge, en fait. Qui est en marge. Il n'est pas sous les tentes du festival, il est dans les cathédrales, il est dans les églises de la ville. D'ailleurs, c'est très bien fait. On a un peu froid, parce que c'est au mois de janvier. Mais il est en marge. Alors, le public qui est intéressé par les auteurs. Qui les intéressent peuvent venir les retrouver dans les églises, hors du festival. Donc oui, on arrive à toucher un public un peu plus large que le public chrétien. Et les auteurs qui ne sont pas chrétiens, comment ils considèrent votre travail? Ils sont au chaud, oui. ils savent que vous êtes chrétien, est-ce qu'il y a un côté un peu « je vous regarde de haut » ou « voilà, je te regarde de haut ». Oui, il y a un côté un peu méfiant. Pas comme nous. Ouais, il y a un côté un peu méfiant quand même. Ouais. Vous le sentez parce encore? Parce que c'est très… Méfiant, mais c'est un peu ringard quand même. Voilà, ringard, et puis... T'es chrétien, t'es ringard. Et puis traditionnellement, la bande dessinée, c'est... Traditionnellement, la bande dessinée, c'est de gauche, c'est laïque, et c'est même... On tape sur le curé, quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, donc ça existe encore dans le monde de la BD. Vous ne voyez pas une amélioration ou un changement de... Non, parce qu'il y a une telle... C'est un métier de liberté totale. Intéresse, ouais. On est libre, contrairement au cinéma, où il faut valider, financer. C'est un vrai travail d'équipe. Moi, je suis tout seul, je fais ce que je veux, et les autres auteurs font exactement la même chose. Du moment qu'ils ont des chiffres de vente qui sont bien, est signé les yeux fermés. Il n'y a aucune censure, il n'y a rien, il n'y a plus de censure en bande dessinée. Vous considérez qu'il y a une culture de mort et une culture de vie dans la BD aujourd'hui, par exemple? C'est-à-dire une culture, c'est-à-dire un certain pessimisme. Oui, un certain pessimisme, ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a quelque chose vraiment de... De négation, de tout, oui. Mais il y a des lueurs d'espoir, il y a des auteurs qui sont en pleine recherche et qui sont extrêmement positifs, humanistes et Il y a une adaptation de la Bible qui est très bien faite chez Delcourt, notamment. Je crois que ce ne sont pas des Européens, enfin, ce ne sont pas des Français qui l'ont fait. C'est de la bande dessinée franco-belge, je ne sais plus exactement quelle nationalité. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui. Mais ces deux auteurs se disent agnostiques et ils disent qu'ils adaptent la Bible, justement parce que c'est un beau scénario. Parce que c'est un beau scénario, mais surtout au nom d'une laïcité plus ouverte. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui... Eh bien, notre agnostique qui porte du message. Après Xavier Beauvois, nous avons les... Finalement, les agnostiques sont extrêmement dynamiques. Mais dans tout ça, c'est un problème de... Oui, mais est-ce que... Moi, ce qui me frappe, c'est que ces gens se retrouvent leur culture, finalement, d'une certaine façon. Ils ont la Bible depuis... Bah oui, on l'a quand même depuis 2000 ans, puis plutôt chez nous, enfin, bon. Et eux-mêmes
ils n'ont pas besoin d'avoir la foi pour redécouvrir leur culture, leurs fameuses racines. Moi, je trouve que ça, déjà, au moins qu'on en arrive là, ouais, culturellement, vrai, ça, puisqu'on parle de culture et d'affiches culturelles, on passe par la culture. On se réapproprie un patrimoine, à la fois symbolique, un patrimoine de sens. Tout avait été fichu par terre. Bon, alors, c'est la première étape, parce que ce n'est pas parce qu'on a un patrimoine, une culture chrétienne, religieuse, qu'on a rencontré le Christ. Oui. Mais c'est un préalable. C'est un préalable. Des fois, ça fonctionnera à l'inverse, c'est-à-dire une rencontre fulgurante qui nous amènera à découvrir la pertinence d'une tradition qu'on avait complètement marginalisée ou oubliée. Oui, mais tous ces petits jeunes, par exemple, qui n'ont aucun sens de rien, ou encore même, il n'y a pas besoin d'être jeune, hein, certains journalistes à la télévision, quand il y a de l'actualité sur le pape, excusez-nous, pas Catéo, mais... Oh, j'espère bien. Qui ne savent pas vraiment, effectivement, qui emploient des termes. Ah, mais ceci dit, ça change, ça, ou pas, non ? Vous n'avez pas cette sensation-là, vous qui avez été habitué des plateaux télé, entre il y a 15 ans et maintenant ? Ah non, il y a encore, on nous c'est a parlé le pire, jour, hein, c'est peut-être... De la mosquée de tous les saints, là où ça a explosé, justement, en Égypte. Alexandrie. Eh bien, j'ai trouvé que c'était fort, la mosquée de tous les saints. Bah, peut-être qu'il y a des saints musulmans, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit mélange entre les termes, entre une église, une mosquée, hein, voilà. Bon, je dis ça. Il y a l'étape qui est la déchristianisation, en fait, la perte d'une tradition chrétienne fait qu'il y a une perte culturelle, hein, une incapacité d'interpréter la symbolique. Et même si on n'est pas croyant ou chrétien, de voir ce que les choses mais signifient. Si tu regardes le programme de 5e de 1960 et celui d'aujourd'hui, c'est pas le même. Hein. Oui. Mais alors, il y a quelque chose qui me semble aussi très important, c'est que la perte du christianisme, c'est aussi une perte d'humanité. Mm-hmm. C'est-à-dire, la foi, c'est pas simplement des convictions, des choses qu'on connaît, c'est quelque chose qui nous font vivre. Mm-hmm. Et ça engage un rapport à soi-même, un rapport aux autres, un rapport au temps, un rapport au corps, un rapport à l'amour, à la sexualité, un rapport à la vie. Et donc, ne plus avoir de contact avec le Christ, nous déshumanise, tout à fait. C'est perdre finalement notre identité. Mais c'est vrai que cette histoire d'être humain. Symbole, c'est important. Et dans la BD, j'imagine que vous utilisez ces symboles. Mmh. Ah, moi beaucoup, oui. Mais oui, non, c'est intéressant les symboles. Ben, on les retrouve partout, oui, en bande dessinée plus qu'ailleurs, puisque c'est un langage de signes, de symbolique, d'images. Hein, bataille de symboles, bataille de mots. Aujourd'hui. Eh bien, moi, je sais pas s'il faut utiliser le mot bataille. Voilà. Je sais pas. Écoutez, voilà. Ah bah voilà. Mais non, mais c'est vrai, on n'est pas dans le combat. Alors, honnêtement. Alors bah très bien. Même si moi je suis plus militante que mon camarade. Il ne faut pas que l'Église fasse de politique. Il faut pas faire une bataille. D'ailleurs, l'exemple du Christ dans les Évangiles, il y a que ça tout le temps. Oui, enfin dis donc. Non, il dit des choses. Il a un message qui est lui révolutionnaire, mais il n'est pas en guerre. Il ne brique pas le pouvoir. Non. On n'a pas dit ça. Voilà, et il n'essaie pas de gagner par la force ou par la. Voilà, il n'essaie pas d'avoir du pouvoir. Voilà. Oui, mais quand Monseigneur. Il y a toujours une tentation humaine de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir pour les meilleures raisons du monde. C'est vrai, avec les convictions. Et c'est ça un peu le. De même qu'on a tous besoin de juger, et malheureusement, juger, c'est se tromper. Et moi, le premier, je le sais, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de juger. Bon. Donc il faut juste se méfier de ça. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit une bataille. L'Église ne reprend pas le pouvoir et ce n'est effectivement pas une bataille. Mais en revanche, nous avons une liberté d'expression qui nous est souvent... Confisquée. Enfin, confisquée, le mot est un peu fort, mais enfin, qui n'est pas simple, hein, voilà, qui n'existe pas, on va dire. Et tu vois, moi je trouve qu'on dit souvent, personne n'ose se moquer des musulmans, etc., et des juifs, parce que c'est, on a peur hein, dans les médias, alors qu'on peut taper sur les catholiques, ils diront jamais rien. Et bien, pour moi, ça, c'est une des grandes forces de l'Église catholique. Voilà, c'est qu'on peut se faire taper dessus et qu'on ne va pas riposter. Non, et sans tendre la joue gauche, ce n'est pas le problème. C'est une des grandes forces pour moi de la Église catholique. C'est justement de ne pas faire peur et de ne pas d'être vulnérable et apparemment faible et ne pas engager une bataille. Pour moi, pour pouvoir le vivre, il faut avoir une force intérieure. Oui. Parce qu'effectivement, on va essayer de répondre à la provocation par la violence. Si on n'a pas ce ressort intérieur, cette certitude que la victoire nous a été donnée par le Christ. Et que nous avons déjà gagné. On doit vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre, paisiblement, joyeusement, humblement. Et c'est par là que se gagnent les vraies victoires. Oui, mais quand l'autre jour, il y avait une femme, après la séance du film, qui me disait,
Personne ne comprend ce que ça veut dire Jésus, même les catholiques, hein, eux, moi d'ailleurs. Jésus-Christ est venu nous sauver, c'est le sauveur. Et ça, après tout, il nous a sauvés de quoi? Ah, il est mort sur la croix pour nous sauver. Et elle disait, votre film montre ça de façon intéressante, c'est qu'en fait, nous sommes tous orphelins sur terre, parce que ce que tu disais tout à l'heure, de l'amour qu'on n'a pas suffisamment, même des gens qui nous aiment le plus, oui, nous aiment pas exactement fait, autant voilà, qu'on voudrait le faire. On voit bien quand il y a des successions, même quand les frères et sœurs sont vieux et que le vieux père est mort, ils se battent sur un vase dont ils n'ont rien à foutre, uniquement parce que ce vase représente, j'ai l'impression que tu as été un peu plus aimé que moi, et donc c'est juste que j'ai ce vase qui est la compensation de ce que j'ai. Bon. Donc, on est tous orphelins sur terre, et que quand on a l'impression, enfin, quand on sait qu'on a rencontré Jésus et qu'on se sent aimé par lui, effectivement, on n'est plus orphelin, donc on est sauvé. On est aimé. Voilà. Le salut, c'est l'amour. Oui, enfin, il y a la vie éternelle aussi. Avant de passer au prochain reportage sur la musique, cette fois, Monseigneur Ray, peut-être pour conclure cette partie de plateau. Sur ce que vient de dire Thierry Bizot, c'était riche. Monseigneur Ray, tu vas conclure toutes les bêtises qu'on dit. Mais non, mais... essayer de les ratifier par une conclusion, plus ou moins. Mais disons, la foi est un combat, dira l'apôtre Paul, mais pas un combat à la manière humaine où on essaye de pouvoir dominer, exercer la mainmise sur les autres. C'est le pouvoir. Hein, voilà, il faut distinguer le pouvoir de l'autorité, qui est de chercher l'autorité, le bien d'autrui, et donc pas exercer une mainmise sur autrui. Je crois qu'effectivement, de ce point de vue, on est libéré d'une espèce de logique, d'emprise, de calcul pour pouvoir accéder à un contrôle de soi-même, des autres. Bon, notre vie, elle appartient au Christ. Enfin, à un certain moment, il y a un lâcher-prise. La foi commence par un lâcher-prise. Et puis on est lancé dans une espèce d'aventure extraordinaire. Un peu folle, mais en même temps très, très érodante. On est simplifié, mais c'est là qu'on goûte à la joie de savoir aimer, effectivement, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a une communauté, qu'on a l'Église. Et ça, c'est une force extraordinaire. Hein. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont finalement très seuls, derrière les apparences, hein, derrière les mondanités. Les réalités sont d'une aridité et d'une pauvreté considérable. Oui, mais moi je vais mettre. Mondanité, vous les aimez bien, toi ? Moi j'adore ça, parce que justement, moi j'aime mettre de la convivialité et du lien, parce que je le vis comme ça. Mais c'est vrai que finalement chacun rentre chez soi, puis c'est fini. Mais je vais être un peu là, je vais être perturbatrice. Allez-y. Parce que même dans l'Église, et même dans sa tu paroisse. Tu vas pas enlever ton t-shirt, donc. Non. Même dans sa paroisse, quelquefois, on se sent un peu seul. Ça existe aussi jusqu'au cœur même. Ah oui, donc le sûr. Christ, quelquefois, il manque aussi au cœur même de l'Église. L'Église n'est pas faite de gens parfaits. Il serait pire s'il n'avait pas l'Église. Et s'il n'y avait pas de pécheurs, toutes les églises seraient bien, encore bien plus vides. Et ça, c'est Monseigneur 23 qui nous l'a dit. Qui m'en mettrait dans les églises s'il n'y avait pas des pécheurs. Je crois que ce qui me semble très important à travers tous ces moyens de communication, à travers les films, les productions, etc., c'est qu'aujourd'hui, si on est croyant, on prend conscience d'une dimension qui est celle de pouvoir vraiment partager et témoigner de notre foi. Mm-hmm. Les temps sont missionnaires. Mm-hmm. On parle de nouvelle évangélisation, un thème qui est cher à Jean-Paul II, à Benoît XVI, à moi-même. Et à vous, oui, bien sûr. Mais je crois que c'est fantastique. Je pense à cette histoire toute simple du gars qui va vendre des chaussures, qui vit en Afrique, il descend de l'avion, tout le monde marche pieds nus, il remballe son matériel. Bon, une semaine après, arrive un concurrent qui va vendre des chaussures. Il descend de l'avion, tout le monde marche pieds nus. Il dit, mais il y a un marché extraordinaire. Ça dépend comment on voit les choses. Si on pense que l'humanité, chaque homme est fait pour rencontrer le Christ, on a une responsabilité extraordinaire qui pèse sur nos épaules, avec la grâce de Dieu, de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait de nous pour le bien et le bonheur de ceux qui sont autour de nous. Ça, les temps sont ceux du témoignage aujourd'hui. Absolument. On va passer à un autre grand succès populaire. Grand témoignage, mais aussi succès marketing, celui des prêtres, trio musical dont l'initiative revient à Monseigneur Di Falco, l'évêque de Gap et d'Embrun. En France, leur album, l'album des prêtres, Spiritus Dei, arrive en deuxième place du classement des meilleures ventes de disques en 2010. C'est dire le succès. Et qui est le premier? Je ne sais plus. Groupe qui est composé de deux prêtres et d'un séminariste de Gap. Comment analyser ce succès? Reportage dans les magasins de disques avec Élodie Fourneau. Si c'est ça, c'est bien. Faire de la musique chrétienne n'est pas un phénomène nouveau. En revanche, l'aventure Spiritus Dei est plus inattendue.
En tête des ventes, pendant 9 semaines, les prêtres ont vendu plus de 500 000 albums en 2010. Et l'aventure n'est pas finie. DVD et CD collector sont encore au programme. Alors comment justifier d'un tel engouement du public pour Spiritus Dei ? La réponse d'un spécialiste du disque dans cette grande enseigne musicale. Cette production qui a consisté à mettre des voix naturelles, parce que ce n'est pas des voix d'opéra, ce n'est pas des voix de variété, c'est des voix tout simplement naturelles dans une réverbération d'une église en fait. Et c'est cette musique qui finalement n'avait jamais été enregistrée et qui a trouvé naturellement tout son public du dimanche matin. Il y a des supports qui s'appellent le CD, des supports qui s'appellent DVD et qui sont extrêmement répandus dans tous les foyers. Et peut-être que c'est un thème justement qu'il l'est beaucoup moins. Et donc quand on a l'association d'un thème particulier comme ça avec un support extrêmement répandu, et ben ça fait mouche. Des paroles en français, de la musique profane et religieuse, une image contemporaine de l'Église avec des prêtres devenus chanteurs, Spiritus Dei a popularisé une nouvelle image de l'Église. C'est un phénomène qu'on peut rapprocher d'un album très important, d'une sortie très importante en variété française comme Francis Cabrel par exemple. La mort de Michael Jackson, ça a généré énormément de ventes aussi. Quand tu choisis ici. Pour autant, il est difficile de dire si la musique chrétienne crée un regain d'intérêt auprès du public. À Versailles, les producteurs de Sherry Joyce proposent de la musique chrétienne variée comme le rock, la pop, le reggae, mais aussi des genres plus traditionnels comme les louanges ou le classique. Cette tendance, ils l'observent depuis près de 15 ans. Et pour eux, le phénomène Spiritus Dei s'analyse avec nuance. Dire qu'il y a un regain ou quelque chose qui est en train de se faire par rapport aux artistes chrétiens, je n'irai pas jusque-là. Je dirais qu'il y a une soif de vérité et que donc... La musique, l'art, les productions peuvent y répondre. La difficulté, c'est quand on touche à la foi et à l'expression de la foi. Là, ça pose quand même problème dans le monde dans lequel on est en France. On est dans un monde qui a... C'est pas comme aux États-Unis. Il y a un certain nombre de tabous, on peut pas dire tout à fait tout ce qu'on veut. Sur les radios type FM, on n'a jamais réussi vraiment à percer parce qu'on a un message qui est... Enfin, on a des artistes qui ont un message... vraiment trop clair au niveau de la foi. Explicite lyrics, vous voyez, ouais. Ça ne peut pas passer à l'antenne. Parfois, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des... Sauf la grosse production, parce que c'est très explicite lyrics. Hein, Pater Noster, commencer Spiritus Dei, le premier sur la sarabande d'Endel, de comment s'appelait ce film Barry Lyndon, merci. J'ai dit, ils font Barry Lyndon. Et bien dessus, Monseigneur Di Falco, il n'attend pas 3 minutes avant de commencer le Pater Noster. Et c'est là où je me suis dit... Il ne peut jamais l'arrêter, ce Monseigneur Di Falco. Jamais. Et il a toujours la bonne idée, en plus, de mettre Pater Noster dans les montagnes de Gap pour, avec cet argent, en faire un sanctuaire. Ce qui est vachement... Notre-Dame du Lot. Oui. Notre-Dame du Lot, oui. À l'apparition de Notre-Dame du Lot. Oui. Moi, je trouve ça top. Laurent Bidon, je ne vous ai pas donné beaucoup la parole. Alors, je voudrais savoir ce que les prêtres vous aimez, tout simplement. Vous connaissez Oui, j'aime bien. Mais ils sont appuyés quand même sur des musiques qui étaient éprouvées, hein, qui sont toutes connues, qui étaient déjà dans toutes les oreilles. C'est que des tubes. Pas à que la base, religieuses, d'ailleurs. À la base. Et puis ensuite, un très bon travail marketing. Oui, mais... C'est un beau produit. Hein, c'est pas... le succès n'était pas assuré. C'est non, mais en tout cas, les recettes, la recette fonctionne bien. Ouais. Mais moi, je rebondis avec ce que disait mon ami Thierry, c'est que les prêtres, autant les moines, ça attire, autant les prêtres, ça rebute. Tu te souviens, tu disais ça en début d'émission. Ça dépend lesquels. Eh bien, justement, je trouve qu'il y a un côté sympa dans ces... Non, ces prêtres. Ah, mais c'est pas des prêtres avec juste la petite croix là. Hein. C'est des prêtres. Qu'est-ce qui attire chez eux ? C'est qu'on voit que c'est des prêtres. Ah. Et oui, ils ont bien le petit col romain, comme vous-même, mon père. Pendant très longtemps, les prêtres ne mettaient plus rien du tout, donc on ne savait pas que c'était des prêtres. D'une certaine façon, il y a une sorte d'affirmation de l'identité du prêtre, là, un peu déringardisé parce qu'effectivement, ils chantent sur TF1. On se dit, si TF1 les a mis là, c'est que c'est pas si ringard que ça. Il y a le mentaliste et les prêtres maintenant. Voilà, et on passe, et tu sais que le clip magnifique sur le baptême depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, donc c'est vraiment, c'est comme une espèce de petit film de propagande pour l'Église, passe vers, après un access prime time, je parle dans ton langage de professionnel, entre mentaliste ou Maya Mike Weiss,
tu vois, ou je sais pas quoi, les trucs où il y aura du sexe, de la violence, du meurtre à 20h40. Et derrière, tu as les prêtres qui... Tu pensais à ce prêtre qui disait « Aujourd'hui, je vais vous parler du péché ». La façon dont il disait ça, on sentait qu'il allait prendre un certain plaisir. Ben moi, mes enfants regardent ça à 20h40. Vous connaissez bien le monde de la télé, Thierry Bizot. Comment vous expliquez qu'une grande maison comme TF1 mette de l'argent là-dedans? Parce qu'ils y ont cru du point de vue commercial, ils ont eu raison. C'est un coup de poker et ils ont été... Donc là, ils sentent quelque chose sur le monde culturel d'aujourd'hui, les succès populaires à travers des prêtres, à travers le religieux. Si vous voulez, TF1, c'est la plus grande chaîne de télé d'Europe. Ils ont un public. C'est comme si on devait comparer une salle de spectacle, c'est comme si c'était le Stade de France. Ils doivent remplir le Stade de France tous les soirs. Et ils doivent faire des programmes et aussi des produits dérivés Stade de France. Donc ils ne vont jamais vous faire la réédition en cuir de Proust. Pas la peine, ce n'est pas leur truc. Donc ils vont faire à la fois ce disque-là, ils peuvent faire le disque des Enfoirés, ils peuvent faire des tas de disques. C'est qu'ils ont senti qu'il y avait un potentiel entre ces tubes, l'originalité du fait que ce soit des prêtres qui chantent. Voilà, je ne pense pas qu'il se soit dit, il y a un désir message, spirituel, il y a un désir spirituel. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui va marcher et on va mettre les moyens en communication parce qu'ils ont quand même un outil très puissant qui est leur chaîne. Et voilà, et ils ont poussé, ils ont eu le courage de le faire, ils auraient pu... on aurait pu dire quoi ? Oui, il faut de l'audace, mais ils l'ont fait d'un point de vue commercial. C'est une chaîne commerciale. C'est important à dire comment ça se passe. Oui, mais je veux dire que quand même, la quête spirituelle, il y a quelques années, c'était du New Age qui nous faisait, tu sais. Les Indiens, là. Voilà. Aujourd'hui, quelques années après, c'est des prêtres. Moi, je suis assez contente que finalement, la quête du spirituel fasse un succès populaire avec les vrais... Populaire, ça, c'est un mot important. Oui, et les vrais acteurs de la vraie spiritualité. Même si je l'affirme un peu trop comme ça, mais c'est plutôt mieux de passer de la lambada à... C'est à la fois la rencontre entre, je dirais, une technologie, un marketing, et aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, des tubes qui sont éprouvés, mm-hmm. et des choses qui ont des fortes racines chrétiennes. Mm-hmm. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui, c'est ressaisir une tradition avec des nouveaux moyens. Ça me semble très intéressant. Est-ce que par hasard, TF1, elle, n'avait pas à y gagner en sens, en profondeur Certainement. Bonne question. En légitimité, peut-être. Il y avait peut-être un échange. Oui, parce que tu sais, on n'arrêtait pas de dire que c'était la chaîne qui ne faisait plus que du trash, du bas de gamme, de la télé-réalité, du machin, à côté du service public. Peut-être que ça leur donne une minuscule petite image. Si chacun y trouve son compte. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on dit, bon, il y a une quête spirituelle, etc., parce qu'on l'a expérimenté pour nous-mêmes. On voit ce qui se passe dans l'Église. Mais que des boîtes comme TF1 disent, avec leurs instruments, je dirais, de mesure et d'appréhension publique, il y a vraiment, dans notre société, une quête spirituelle, et au point de miser là-dessus, avec des moyens économiques, financiers, c'est très intéressant. Mais mon père, il n'y a qu'à voir les livres aujourd'hui qui traitent de Jésus, de Dieu, du chemin, le livre d'Alix de Saint-André, 80 000 exemplaires. Le dernier de Max Gallo. Ils sont tous à au-delà de 70 000 exemplaires. Il y a plein d'exemples. Hein. Même Frédéric Lenoir, c'est pour vous dire. Et même vous, on vous commande des livres. Et moi, alors qu'ils sont venus me chercher, je n'avais rien demandé à personne. Vraiment, si j'avais pu éviter ça, c'est... Alors là, pour le coup, je vais le dire. Alors toi, je ne sais pas, parce que tu es un vrai écrivain, mais moi, je ne sais pas mon cas. C'est une vraie assaise et raconter effectivement son chemin, mais c'est très intéressant et très important. Ouais. Savoir à quel moment Jésus apparaît vraiment, et c'est quelque chose effectivement à dire aux autres. Où se placent les chrétiens aujourd'hui dans ce milieu culturel qui est aussi, qui parfois peut être très populaire, hein, comme on le voit avec le succès des prêtres? Est-ce que les chrétiens font partie d'une contre-culture ou ils sont dans la culture, Monseigneur? Je crois qu'il y a plusieurs, enfin à mon avis, plusieurs types de cultures. Il y a une culture très traditionnelle que l'on voit s'exprimer dans l'univers monastique, par exemple, bon, avec le chant choral, avec la tradition grégorienne, etc. Donc c'est une culture qui est intangible, mais qui fonctionne encore. Qui fonctionne. Bon, dans mon diocèse, il y a l'île de Lérins, qui est en face de Cannes. Bon, faut voir les milliers de personnes, chaque été, qui partent du milieu bling-bling et jet-set de Cannes et qui vont se rendre dans le silence... Et les crins de verdure constituent l'île de Lérins pour écouter simplement les moines qui répètent les mêmes liturgies depuis des siècles et des siècles. Donc ça, et puis en même temps, il y a une recherche
aujourd'hui par rapport à des types de rythmes ou de musique contemporaine, c'est la pop louange, etc., qui s'est beaucoup développée par exemple dans l'univers américain. Oui, aux États-Unis, je crois ça que cartonne, 25% au de, oui, ici, de la production, 25% de la production aux États-Unis, c'est de la musique religieuse, mais avec des rythmes et des harmoniques très contemporaines. Oui, on va acheter son disque de rock chrétien comme... Donc l'univers chrétien se distribue dans ces différentes niches culturelles. Je ne sais pas s'il y a un monde assez unifié là-dedans. Non, c'est plutôt des... Non. Mais moi, je crois que c'est justement une directrice de com de chez ATF1 qui a quand même un peu fait le forcing en disant il faudrait... Parce que en fait, elle-même était plutôt... Voilà, sa foi a dû ressurgir à un moment où elle a peut-être eu le culot de dire ça serait quand même bien d'essayer ça, parce que Mgr Di Falco était son copain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait une petite étincelle du Saint-Esprit. Pour un acte de foi. Mais bien sûr. Et pour convaincre le directeur de se lancer sur une production comme ça, du clip, du machin, à mon avis, il a joué quelque part, ce Saint-Esprit. On arrive doucement à la fin de l'émission, il reste quelques minutes. Est-ce que, comme c'est la question que je posais en début d'émission, est-ce qu'il y a pour vous un regain d'intérêt pour le spirituel et le religieux aujourd'hui dans ce monde culturel français? Décidément, moi je dirais oui. Le problème, c'est que pas assez. Voilà. Mais déjà, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, certainement. Écoutez, tous les matérialismes se sont effondrés. Les gens n'en peuvent plus de voir aussi, alors je parle sous le contrôle de mon ami, mais de voir cette société qui part quand même un peu dans tous les sens, c'est le cas de le dire, parce qu'elle n'a plus un sens. Et entre une société qui, après avoir prôné le libéralisme à outrance, le libertarisme, l'individualisme, et qui continue d'ailleurs, retrouver effectivement ce lien qui nous manque, ça au niveau de l'humanité, ce lien d'amour que dit très bien le film de Thierry, mais aussi ce lien qui ne vient pas, il circule pas comme ça, il descend pas d'en haut. Enfin voilà, moi le jour où j'ai compris ça, je pense que j'ai tout compris. C'est un descendant qui peut circuler véritablement bien. Et on est dans un tel capharnaüm, si je puis dire aujourd'hui, par rapport à ça. C'est que ça, c'est par contraste, ça revient aussi. Voilà, clairement, et on peut plus penser communisme, je sais pas quoi, même capitalisme, avenir radieux de l'humanité, rien du tout. On voit bien qu'il n'y a pas d'autre avenir que de retrouver l'essentiel, l'essence, si je puis me permettre. Bel enthousiasme, voilà. Moi, je dirais que, effectivement, il y a une société très matérialiste, individualiste, et le balancier est un peu en train de revenir en arrière. En même temps, quand on lit les évangiles, moi, ce qui me frappe absolument, c'est de voir que tous les êtres humains qui sont décrits, on les connaît tous, rien n'a changé. C'est la société humaine. Voilà. Laurent Bideau. Effectivement, oui, non, il y a beaucoup de signes qui bougent dans le bon sens. Enfin, moi, j'étais juste un tout petit peu embêté de voir que, finalement, la foi devient un produit un peu marketing. Un peu. Est-ce que vraiment il y a du sens Je sais pas. Des chiffres de vente, est-ce que c'est vraiment des signes? Les voix du Seigneur sont impénétrables. Une anecdote montre ça, que les voix du Seigneur sont impénétrables. C'est un curé qui m'a raconté ça. Il voit une de ses paroissiennes qui vient le voir en disant, écoutez, mon père, il faut que je vous dise, ça fait 3 mois que vous avez fait une homélie, et dans cette homélie, vous avez dit une phrase qui a changé ma vie. De ça à ça, ma foi est repartie, tout s'est réglé, les choses sont débloquées dans ma vie, etc. Alors, il dit, mais quelle était cette phrase que j'ai dite? Eh bien, c'était une homélie en 2 parties, et à la fin de la première partie, vous avez dit, bon, maintenant, passons au point suivant. Ça calme. Dernière question pour vous, Mgr Rey, il nous reste une petite minute. Comment l'Église peut se saisir de tout ça? Elle saisit le monde à travers ce qu'il porte d'attente spirituelle, la nature a horreur du vide, et l'homme aussi, finalement. L'Église doit encourager vraiment le monde artistique, le monde de la création. Et je crois que là, il y a vraiment un effort à faire pour dire que, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est à travers l'émotion sensible, à travers le témoignage, à travers ce qui touche d'abord le cœur que les choses peuvent se passer. Parce qu'il y a une telle cuirasse et carapace par rapport à un exposé, la foi qu'aujourd'hui, on cherche une expérience vraie. Et l'art est capable de la transmettre. Voilà. Donc je crois que là, il faut soutenir l'expérience artistique. Et en même temps, l'Église doit travailler beaucoup au niveau de la raison.
C'est ce que fait le pape Benoît XVI lorsqu'il montre que la foi est aussi une rationalité. Donc c'est sur deux pans qu'il faut travailler. La foi n'est pas simplement une émotion, la foi est une raison, c'est une sagesse. Merci pour tout, merci à tous les quatre. Avant de conclure, je rappelle que le film de votre femme, Thierry Bizot, sera à l'affiche mercredi prochain, « Qui a envie d'être aimé ?», film d'Anne Jaffery. Et votre prochain livre, Frigide Barjot, apparaître dans les semaines à venir au printemps. Au printemps, avant la béatification de Jean-Paul II. Ou en même temps. Confession d'une cato branchée chez Plon. On n'a pas parlé non plus de vos pétitions, notamment une pétition sur la bioéthique. Appelavérité.com, et parce que c'est aussi de l'art de... C'est pas de la politique, c'est de l'art de dire qu'aujourd'hui, il faut être un peu dans l'espace public pour dire ce qu'on pense et ce qu'on croit, notamment sur l'embryon humain. Et ben voilà, c'est dit. Merci. Et puis Laurent Bidot, L'Éternel, notamment, série en deux tomes chez Glénat, collection Loge Noire. Et puis Mont Blanc, c'est votre dernier album. C'est chez Glénat également ? Chez Glénat, toujours. Et ben voilà. Enfin, votre dernier livre, Dominique Ray, Monseigneur Ray, Urgence éducative, l'école catholique en débat, c'est aux éditions Salvatore. Et bientôt va sortir un entretien avec Fabrice Hadjadj. Ça va être passionnant. Voilà. Très bien, seul scoop. Il aurait fait un bon invité aussi. Ici. Mais il revient. Il arrivera à ce moment-là. Voilà. Merci en tout cas à tous les quatre. À très bientôt sur KTO.